Tsukiko desu. Ligan. Salut à tous et à toutes, ici Tsukiko desu, les Wanda Fori. Ceux qui reconnaissent le signe au début, c'est un bon. Bon bref, aujourd'hui, on va du coup demander maintenant aux hommes, parce qu'on a fait la version fille. On demande du coup aux hommes si du coup ça les dérangerait de faire l'amour avec un puceau. Non merde, putain, pas puceau, vierge, putain. Ligan. Alors aujourd'hui, tout simplement, on va du coup demander du coup aux hommes si ça dérange de faire l'amour avec une vierge. Parce qu'on a fait la version inverse, où on demandait aux filles si du coup avec des puceaux ça dérangerait ou pas. C'est parti. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et toi? Ça très bon sandwich hein? Ouais, pas mal. C'est au poulet curry non? Juste poulet. Mmh, ça a l'air bon. Tu veux goûter? Est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes? Frère. Mais attends, mais on sait jamais! Hé! Mais on sait jamais! C'est tout vraiment sur les relations hommes-femmes. Qui quoi, qui est vierge? Ouais, ça vous dérange ou pas? Je sais pas, ça dépend de la situation, mais Vous êtes plutôt ok alors? Hein? Vous êtes plutôt ok? Je sais pas, mais pourquoi, c'est quoi le... Et monsieur, est-ce qu'auparavant vous avez déjà fait des choses avec une femme vierge? Je suis désolé, j'ai pas du PSG par contre. Monsieur, mais entre... Ah, monsieur, désolé, j'ai pas du PSG. Oh monsieur, mais on est ensemble ou pas? Hein? Franchement, honnêtement... Dis-nous c'est un peu bizarre, mais... Ouais. Et franchement, non. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Ok. Y'a pas de problème, hein, tu sais. À une femme qui est vierge. Ça me dérangerait, non? D'accord, ok. Franchement, non. Franchement, non. En plus, t'as vu, y'a un truc qui est bien, c'est moi que t'as vu quand la meuf elle a les yeux verts, y'a pas de comparatif. Ça veut dire que même si tu fais du sale ou tu fais pas du sale, ouais. T'as capté. Mais après, tu vois, on n'est pas là pour juger, tu vois. Après, ouais. même si elle a un passé, tu vois, c'est pas grave en vrai de vrai. Mais bon gars, ouais, mais après, tranquille, franchement, tranquille. Ça dépend quel âge elle a. Ça dépend. À mon âge, si elle a 20 ans, ça passe. Ouais. En dessous de 20 ans, ça commence à être chiant. Vous savez quel âge son indiscrétion? Moi, j'ai 24. Ok, bon, ça va, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que toi, ça te dérangerait de faire l'amour avec une femme qui est vierge? Ben, vu l'âge que j'ai, si je fais l'amour avec une femme qui est vierge, j'espère que ce sera une meuf de mon âge. Ouais. Si c'est une meuf plus jeune, non. T'as quel âge vite fait sans inscription? 25. 25. Ah, mais il y a aussi des femmes qui sont encore vierges à 25 aussi. Oui, oui, sont... d'accord. Oui, c'est ça que je dis que si c'est une meuf qui a mon âge, faut voir. D'accord, ok. D'accord. Ça dépend de la fille. Je sais pas. Moi, je préfère quand il y a quelqu'un qui est déjà passé. C'est trop de responsabilité. Je sais pas. D'accord, ok, monsieur. Ah ouais. Ouais. Parce que vous êtes le premier à nous dire ça, monsieur. C'est vrai? Oui. Ah ouais, mais moi la virginité c'est pas trop important. D'accord, ok, monsieur. Non, du tout. Tu te déranges pas? Non, pas du tout. Ok. Pourquoi? Pourquoi t'as un sourire bizarre là? Non, même pas. Ok. Est-ce que du coup ça vous dérangerait de faire l'amour avec une femme qui est vierge? Non. Vous êtes sûr? Ouais. D'accord. Avec une femme qui est vierge? Non. Ok. T'as un sourire toi aussi, t'as un beau sourire. Hein. Non, je cache rien. Bah non, enfin je comprends pas la... Parce qu'il y a des hommes qui disent que c'est un peu on va dire, dérangeant parce que du coup c'est la première fois, il y a beaucoup de responsabilités, il y a plein de critères. Voilà, non, pas du tout. Après bon, moi je suis maqué donc j'ai aucun... Oui. Voilà, la question elle se pose pas, mais après je me suis jamais posé la question en rencontrant quelqu'un si elle était vierge ou pas et si j'aurais une responsabilité ou autre. D'accord, okay. C'est juste du plaisir et puis après tant que tout le monde est consentant, il n'y a aucune responsabilité pour moi à avoir. Voilà. Si c'est ma femme, non. Si c'est ta femme, non. Mais si c'est une fille... Je réfléchirai à la question, je suis honnête, je réfléchirai. Tu réfléchirais, d'accord, ok. Ouais. Du coup, t'as déjà fait des bails avec une femme vierge? Non. Jamais? Moi, non, non. Okay. Moi, c'est jamais arrivé. Et tu veux ou pas? Comme toi. Mais si ça doit arriver, ça arrivera, tu vois, après. Voilà. J'ai pas de complexe forcément par rapport à ça. Mais bon, vas-y, il y en a quand même qui sont psychés par rapport à ça, tu vois. Ah ouais? Tu vois le délire, ouais. Ah, ok, c'est psyché, de ouf, quoi. Et du coup, est-ce que auparavant vous avez déjà fait des choses avec une femme qui est vierge? Auparavant. Non. Non, d'accord, ok. Donc si prochainement l'occasion se présente, vous serez tenté. Oui, ça m'était bien. Oui, ça va. Est-ce que du coup t'as déjà fait des bails avec une femme vierge ou pas? Ouais, franchement, ouais. En plus, la plupart.
en fait, de mes meufs que j'ai eu avant, ouais. Genre, elle était vierge, tu vois. Mais après, tu vois, faut respecter aussi, tu vois. Genre, c'est pas parce que, genre, elle dit, par exemple, tu vois, qu'elle est vierge, que tu sais, faut forcer ou un truc, faut, en vrai, faut respecter, tu vois. Ouais. Parce que c'est important, tu vois. Faut, bien c'est, vu, bien c'est, vu, bien vu. C'est sa première fois et tout. Normal. Mais après, voilà, moi, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, même première fois, quoi. Ok. J'ai fait la première fois avec une vierge. Ok, d'accord. Comme c'était plus c'était le début, c'était voilà, début, c'est c'était ça, beau. Exact. Ouais. D'accord, okay. Exact. Moi, je te remercie, hein. Pas de problème. Est-ce que, du coup, toi, avant, tu as déjà fait des bails avec des femmes qui sont vierges? Ouais. Et t'as aimé ou pas? Ouais. On sent que tu as aimé, hein. On sent le sourire là, dans le coin, tu vois, on le sent, ouais. Mais c'est surtout à l'époque où moi-même je perdais ma virginité. Ah, donc c'était en même temps, donc ouais, c'était beau. Voilà. C'était beau, ouais. C'était pas récemment avec des petites jeunes ou autre, quoi. T'as droit, tu sais, je vais pas te juger, hein. Non, donc calme, hein. C'est pour YouTube, donc. Voilà, pour YouTube, hein, non. Jamais, d'accord, ok. C'est peut-être un. Comment on l'appelle? Ouais, je sais pas pourquoi. C'est que c'est le destin, hein. Ouais, c'est destin, comme ça, voilà, c'est la vie, ouais. Voilà. Exact. Oui. T'as aimé, ça va? Ouais, c'était cool. Ouais, bah ouais. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'était doux, tranquille. C'est doux, hein. Ouais. Bah, je te remercie. Hein. Ouais, c'est normal. Auparavant, vous avez déjà fait des choses avec une femme qui est vierge. Oui, oui. D'accord. Vous avez aimé? Oui, pour moi. Ouais. T'as aimé, ça va? Ouais. Ouais. Ouais, là. Ouais, ouais, t'as c'était. Pas... Ouais, si, c'était bien. C'est bien. Ouais, bien, si, okay. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Des bails avec une femme qui est vierge, auparavant? Non. Ah, jamais? Non, jamais. Ah, d'accord, ok, bon. Bah, si l'occasion se présente, tu serais tenté. C'est là où je te réponds, je te dis, je réfléchirai. Tu réfléchiras. Vraiment, réfléchirai, ouais. Voilà, c'est là où. Ok, d'accord, ok. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bon, mettez un pouce bleu, un commentaire et dites dans les commentaires si ça vous dérange ou pas. Faut le dire, hein. Si vous ne dites pas, je vous frappe.